journalistes et changement climatique était le thème de l'atelier de renforcement de capacité des journalistes de la région de Béquet afin que ceux-ci comprennent les causes du changement climatique dans le but de multiplier les écrits sur ce sujet d'intérêt public. Organisé par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, en partenariat avec l'Union nationale des journalistes correspondants de presse de Côte d'Ivoire, UNAJICOPSI, avec le soutien de la Fédération internationale des journalistes FIGE, le séminaire s'est tenu du 29 au 30 août 2023 dans un hôtel du quartier municipal de Boaké. Pour Jean-Claude Koulibaly, président de l'UNJCI, et Sok Nadia, représentant de la FIGE, ce séminaire permettra aux journalistes de comprendre les thématiques liées au changement climatique. Il est important vraiment que les premiers acteurs de la sensibilisation, de la transmission de l'information, soient assez outillés pour pouvoir parler du changement climatique. Le changement climatique, c'est toute une conception, des éléments de langage, c'est toute une connaissance qu'il faut connaître pour pouvoir jouer ce rôle de sensibilisation et de veille de conscience que nous pratiquons tous les jours en tant que journalistes. Voilà, c'est pourquoi nous sommes là, en tout cas dans la capitale du Bénin, à Boaké, avec plus de 20 journalistes, pour non seulement leur donner les rudiments qu'il faut pour faire le travail de sensibilisation, comme je l'ai dit tantôt, mais surtout, il faut qu'ils sachent véritablement connaître ce qu'on appelle la charge de mots. Utiliser les mots qu'il faut pour pouvoir mieux faire passer le message auprès des populations. On est là pour sensibiliser les journalistes, pour leur faire comprendre les concepts et les conséquences du changement climatique, pour avoir tout tour en tant que journaliste, vous puissiez sensibiliser la population par rapport à cela. Cette formation permettra également aux journalistes en tant que professionnels des médias de couvrir les phénomènes du changement climatique au bénéfice des populations. Qu'est-ce que le changement climatique? Impact du changement climatique? Ou s'orienter pour avoir des informations sur le climat? Comment les activités humaines affectent-elles le climat? Écriture journalistique sur le changement climatique ont été les modules animés par Dr Konga Kwaku Herman, enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara, et Youssouf Silla, journaliste à la retraite. Pour entendre par changement climatique, toute variation du climat, qu'elle soit naturelle ou due du fait de l'homme, de cela, sur des pas de temps beaucoup plus longs, en moyenne 100 années. Les participants, à l'image de Ella Kwame, journaliste correspondant du quotidien Le Rassemblement, ce séminaire facilitera la tâche aux journalistes dans la couverture des événements climatiques. Appeler à produire un article écrit ou un élément radio télévisé sur la question du changement climatique. Nous, journalistes, sommes très souvent confrontés à la bonne utilisation des concepts qui sont très souvent mal utilisés. Et donc, cette formation est une opportunité pour nous de saisir le concept du changement climatique.